réédition cette année de la Caro Wingfoil classique, après le succès de l'année dernière, on a remis le couvert. C'est ma première édition, c'est vraiment chouette, le spot est magnifique. Il y a du bon son, il y a des potes, il y a du matos. Ça permet aussi d'échanger avec les autres riders, les marques et les pratiquants du Wingfoil. Moi je viens de Normandie, je suis super content d'être venu ici parce qu'on a des super conditions, du vent fort, des grosses vagues, donc parfait pour envoyer des beaux jumps. Bon, moi je viens de Bretagne, de Brest précisément, donc j'ai fait tout le déplacement pour venir sur la deuxième édition. Hyper content d'être ici, on va tous profiter des conditions, donc vraiment content. Rendez-vous au niveau du port pour cette première race de la première journée de la Caro Classique. Oui. I'm dangerous. So dangerous. I'm dangerous. So dangerous. Du coup, nous, c'est notre deuxième édition de la Caro Wingfoil Classique et on a encore eu des bonnes conditions, du vent fort, donc ça, c'est trop cool. Comme l'année dernière, là, on est revenu, on a l'étape du Maroc juste après, la Coupe du Monde, et ça nous faisait plaisir de revenir ici. Ouais, et hier, il y a eu beaucoup de vent, des vagues, on a pu faire des bons loops, des bons double backflips pour jouer. On s'est bien éclaté. Double backflip, c'est la première fois que je tentais, et ben voilà, ça s'est fait à la Caro. On a fait une bonne race aussi, et là, aujourd'hui, ça repart et on est trop chaud. Let's go. Ouais. La Caro Wingfoil Classique est vraiment un beau succès, tant au niveau des participants qu'au niveau de la fréquentation et au niveau des marques, puisqu'elles ont toutes répondu présentes et on a vraiment toutes les marques de Wingfoil qui étaient là et c'est vraiment chouette.